président de la République en matière d'hydrocarbures et qui a placé le gaz comme un nouveau challenge se concrétise tous les jours. Hier, nous avions l'inauguration du projet Congo GNL. Aujourd'hui, nous signons avec la société Wingwa, qui est déjà un des plus grands producteurs de pétrole dans notre pays, de pétrole liquide, afin de leur permettre de finaliser un projet gazier sur le champ de Kayo. Ceci montre la clairvoyance du président de la République, à un moment où, en effet, le gaz est au centre de toutes les stratégies énergétiques mondiales. Je voudrais ici donc féliciter Wingwa pour avoir cru au gaz ici chez nous et pour avoir mis tous ses efforts afin qu'un projet gazier, un deuxième, puisse se développer dans notre pays. J'aimerais ensuite féliciter toutes les équipes du ministère qui, une fois de plus, n'ont ménagé aucun effort pour rendre cette signature possible aujourd'hui. Derrière cette signature, il y a des heures et des heures de travail, des travail de jour et de nuit de plusieurs équipes, des équipes pétrolières, on peut les appeler ainsi, mais aussi des équipes économiques, des équipes des juristes, des fiscalistes, et c'est le fruit du travail de toutes ces compétences. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir signé un avenant du contrat de partage de production avec le ministère des hydrocarbures. Oui. Nous sommes en train de développer le projet de valorisation du gaz associé, qui est composé par trois phases. Le commencement de la production officielle de la première phase sera au mois d'août de cette année. Et le commencement de la production commerciale de la deuxième phase sera le mois de février de l'année prochaine. Et la troisième phase sera au mois de décembre de l'année prochaine. Oui, aujourd'hui c'est une journée très importante pour Amat, pour le groupe italien qui contrôle Amat, parce que nous avons la possibilité de développer et de mettre en place le programme de développement basé sur l'intégrité des assets et sur le développement, maintenant et développement de la production. Nous sommes en opération le 1er juillet 2023. Nous avons attendu le moment de la signature de l'CPP pour le décret de Zachi 3 et Luango 3. Nous, Amat, comme opérateur, avec le groupe contracteur Transval, Rosetti et naturellement la SMPC, parce qu'ils nous donnaient la possibilité de commencer, de débuter avec le plan d'investissement sur des champs qui nécessitent un besoin avec urgence des investissements sur matière de sécurité et matière de développement pour la production. Je voudrais associer ma voix à celle du PDG de la société SRPD Oil pour me réjouir très sincèrement de l'aboutissement du processus que nous avons engagé depuis un certain temps pour que toutes les conditions soient réunies afin que le projet Ngoki puisse reprendre ses activités sur des bases parfaitement conformes aux exigences de l'industrie pétrolière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Un décret d'attribution a été signé. Un contrat d'association en anglais, Joint Operating Agreement, a été également signé entre les deux associés que sont la SNPC et SRPD Oil. Plusieurs réunions ont permis de définir le projet pétrolier du permis Ngoki.
nous avons pu nous assurer de la qualité des travaux, des études faites entre-temps, de la qualité des partenariats mis en place par la société SRPD Oil. La dernière touche pour cette construction pétrolière, juridique et fiscale est constituée chez nous par la signature d'un contrat de partage. Aujourd'hui, c'est fait. Il reste la signature du directeur général de la SNPC, ici représenté par son secrétaire général, et ensuite le ministre des Finances. Et donc, nous pourrons envoyer ce document pour approbation au Parlement très rapidement. Et ainsi, SRPD, mais à travers SRPD, le groupe contracteur constitué par les deux partenaires pourra se mettre au travail. Dans l'intervalle, nous avions, à titre transitoire et exceptionnel, autorisé SRPD à commencer ses travaux par anticipation, ce que SRPD a commencé à faire avec la tenue des réunions contractuelles. Le reste dépendra de la nature, dépendra de la qualité des travaux, des équipements et des hommes. Nous allons suivre cela ensemble puisqu'on parle de contrat de partage. C'est donc dans le cadre d'un partenariat entre le Congo d'une part et le groupe contracteur d'autre part que nous allons ensemble donner à ce permis Ngoki toutes les chances, on l'espère, d'aboutir à une annonce de développement, de mise en production assez rapidement.